Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 49e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington, lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IJNET. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Bonneviale Chesnaud, qui est la responsable éditoriale d'IJNET. Nous parlerons des spécialités qui sont prometteuses et comment les journalistes peuvent accroître leur chance d'être recrutés. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres de ce forum, nous vous invitons à le faire, à rejoindre le forum sur Facebook. C'est un forum qui est ouvert à tous les journalistes francophones, à tous les journalistes du monde entier, et aussi à rejoindre le réseau IJNET qui partage des annonces très intéressantes et puis qui est un site d'opportunité pour tous les journalistes francophones. Aujourd'hui, nous parlerons, comme je viens de le dire dans mon introduction, comment augmenter ses chances d'être recruté. Et nous sommes avec Sophie. Sophie partagera avec vous des conseils, des recommandations et quelques astuces pratiques pour réussir vos offres d'emploi en journalisme. Et aussi, pour nous parler de d'IJNET en deux ou trois mots. Bonjour Sophie. Bonjour Kossi, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Eh bien, je te pose la première question, comme le titre nous dit, Sophie, comment accroître tes chances d'être recrutée en journalisme? Alors ça, c'est une question qui est majeure hein, en journalisme comme dans d'autres secteurs. On sait que c'est un secteur qui est quand même assez difficile, assez concurrentiel. Donc la question du recrutement, elle est vraiment majeure. Moi déjà, je conseillerais une première chose toute simple, c'est de ne pas se positionner enfin d'essayer de trouver une identité en tant que journaliste. C'est-à-dire que il y a tellement de monde sur une offre d'emploi, il y a tellement de plus de journalistes qui cherchent du travail que d'offres d'emploi, que l'idée de se spécialiser, par exemple, dans quelque chose, ça donne tout de suite, j'allais dire, du relief à une candidature et sans doute plus de chance. J'entends par là que si on se met à la place du recruteur, s'il reçoit plusieurs dizaines, j'imagine, voire peut-être même plusieurs centaines de candidatures pour un poste donné, forcément qu'il prendra celui ou celle qui va répondre le plus aux demandes du poste. C'est une certitude et je trouve que ça s'est même accru ces dernières années. On laisse moins la place, voire plus la place à l'idée de formation, par exemple. Moi, je ne sais pas, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé dans un média web d'actualité locale. J'ai été formée. J'ai fait un contrat de professionnalisation. Donc, il y avait cette notion de j'arrivais, je n'étais pas déjà, j'allais dire, apte. Et là, maintenant, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Pour les jeunes confrères notamment et consoeurs, il faut être tout de suite formé sur les logiciels, formé sur les techniques. Donc, c'est difficile. Mais somme toute, il y a quand même des spécialités qui, à mon sens, sont très prometteuses. Et j'en cite quelques-unes, même si cette liste, elle n'est pas exhaustive. Mais le journalisme de solution, par exemple, moi, représente à mes yeux quelque chose de passionnant et de riche en possibilités. C'est un type de journalisme qui s'est développé pas mal dans les dernières années, mais même s'il existe depuis plus d'une dizaine d'années, je crois. Et c'est dans cette vague de spécialités qui apporte vraiment quelque chose, je trouve, à notre métier. Parce que finalement, le journalisme de solution, il amène des réponses. D'ailleurs, on pourrait le présenter comme ça. On pourrait le présenter comme un journalisme qui apporte des réponses. Il questionne, mais il propose. Et je pense que ça, cette proposition, ce côté concret de notre métier, il manque. Et le journalisme de solution l'amène. Et ça, je pense, par exemple, que ça peut être une très bonne idée pour les consoeurs et les confrères de se...
si ce n'est de se spécialiser, mais en tout cas de se former. De se former, je pense que ça peut être très intéressant si ce type de journalisme leur plaît. Et puis, sinon, on peut citer d'autres choses, hein, bien sûr, le fact-checking, la vérification de faits. Ça, je crois qu'on a vu récemment l'importance de ce type de journalisme. Des profils très techniques, comme ça, je pense que ça peut être des profils qui sont recherchés. Parce que notamment, même les grands médias se mettent à avoir de plus en plus des chroniques, ou en tout cas des mini-services, si je puis dire, spécialisés dans la vérification de faits. Et la vérification de faits demande pas mal de formation. C'est très technique, il faut quand même se former. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très prometteur, vraiment. On peut citer le journalisme scientifique. Ça, je pense qu'avec la crise sanitaire mondiale, on a vu le public, d'abord le grand public, a peut-être redécouvert cette spécialité qui existait déjà et qui est déjà pleine de plein de talents partout dans les pays francophones. Mais là, je dirais que le journalisme scientifique a pris une autre importance, puisque pendant cette crise, depuis le début de cette crise sanitaire, la principale demande du public, c'est de comprendre. De comprendre, de savoir et d'avoir les bonnes informations. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu le fact-checking dont je parlais juste avant. On a parlé récemment sur Reginette du fact-checking scientifique, de l'information scientifique. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement, un journaliste qui serait formé, qui serait passionné par ça, parce qu'il ne suffit pas de se former, il faut aimer, je pense qu'il aurait plus de chances d'être recruté, par exemple, clairement. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut le grand public demande là, des explications, un éclairage. Et puis, c'est des questions qui sont tellement complexes. Les vaccins, l'apparition du coronavirus, tout ça, ça pose question. Et je pense que le journalisme scientifique apporte vraiment un éclairage vraiment majeur et important. Un petit peu dans la même veine, on pourrait conseiller aussi de se former ou de se reformer, parce que les techniques évoluent beaucoup, en matière de data visualisation. Pareil, si je reprends l'exemple de la crise sanitaire, ça peut être vraiment beaucoup plus clair pour le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, de visualiser des données scientifiques, parce que tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde ne travaille pas dans le milieu médical. Et donc d'avoir un graphique, par exemple, sur l'évolution du nombre de cas, par exemple, avec des couleurs, c'est forcément plus attractif, plus attrayant, et surtout, ça participe à la compréhension du sujet. Et ça, je sais qu'il y a des journalistes qui se sont spécialisés, qui font que de la data visualisation. Et pareil, je trouve que ça fait partie des choses qui peuvent vraiment amener, en fait, une plus-value, si je puis dire, à une candidature. Quand j'ai commencé, moi, c'était à peu près il y a 10 ans, on recherchait quand même assez des profils assez généralistes. J'avais cette impression-là. On recherchait des gens qui savaient un peu tout faire, qui pouvaient traiter de l'actualité générale. Voilà. Aujourd'hui, pas sûr que je conseillerais ça. Je conseillerais vraiment plus d'anglais, finalement, son profil. D'être plus spécialisé, parce qu'être spécialisé, c'est être identifié, j'allais dire, dans la masse de journalistes, dans la masse de candidatures, là, en l'occurrence. Ça fait partie d'un moyen de pouvoir être remarqué, et que votre email passe du côté de ceux qui sont retenus et pas de ceux qui sont tout de suite enlevés. Et puis, la presse locale, ça, je voulais l'évoquer aussi, parce que moi, je pense que la presse locale dans les pays francophones n'est pas morte, loin de là, elle est bien vivante. Et d'ailleurs, elle offre des possibilités, notamment dans les spécialités dont je parlais. On sait par exemple que le groupe Centre France, en France, est doté d'une cellule d'innovation numérique qui est vraiment à la pointe. Donc, la presse locale, elle offre des possibilités pour les jeunes confrères et consoeurs, mais aussi pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, et bien d'être souvent sur le terrain, d'être dans des locales, et on apprend beaucoup
On apprend beaucoup comme ça. Alors, bien sûr, souvent, ce sont des CDD, ce sont des contrats assez précaires. Mais somme toute, je tenais quand même à parler de la presse locale parce qu'elle elle offre vraiment des vraies possibilités d'emploi. Voilà. Moi, par exemple, j'ai été en CDI en presse locale quand j'étais un petit peu plus jeune. Comme quoi, le contrat à durée indéterminée est possible. Je ne sais pas si ça aurait été possible dans un grand média national, pas sûr. Voilà. Presse locale, elle est toujours à la recherche de gens, de talents et il y a des possibilités. Moi, je pense, voilà. Je voudrais justement vous poser cette question de savoir, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui plus compliqué d'être embauché en contrat à durée indéterminée en journaliste? Si, bien sûr. Mais de ce côté-là aussi, moi, je dirais que ça n'a jamais vraiment évolué. Je prends encore mon exemple personnel. Il y a 10 ans, c'était pas plus facile. Il y avait beaucoup de CDD, beaucoup de piges, beaucoup. Voilà. Ce qui a peut-être évolué, je dirais, c'est de plus en plus le statut, nous, en France, d'auto-entrepreneur ou de freelance ou d'indépendant qui souffre un peu. C'est-à-dire qu'on demande de plus en plus aux journalistes eh ben, de ne pas être payés en salaire et donc avec potentiellement les avantages qui sont liés à notre profession, mais malheureusement d'être sur des statuts d'auto-entrepreneur. Et ça, bien sûr, que cette précarisation, on ne peut pas la nier. Mais il y a quand même des offres en CDI. Et je dirais que parfois, il y a des CDD qui sont un peu déguisés. J'allais dire que parfois, un recruteur met un CDD d'un an, mais je pense quand même que si le rédacteur ou la rédactrice en chef l'a formé, lui a montré les techniques, il s'est fait un réseau sur place, imaginons. Si le nombre d'abonnés suit, si le chiffre d'affaires du média suit, il n'y a pas de raison majeure de vraiment licencier la personne et ne pas renouveler son contrat. Je pense qu'il faut aussi le dire. Souvent, on donne une chance via un CDD, mais ça peut être un vrai espoir pour la suite. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Sophie, les journalistes n'ont pas plus de chances lorsqu'ils sont polyvalents, c'est-à-dire lorsqu'ils sont capables de travailler pour plusieurs supports de médias et non pas seulement un type de médias? Je pensais ça, moi aussi, j'allais dire jusqu'avant que je commence à Eginette en français, donc jusqu'à mai 2020. Eginette en français a eu cette capacité sur moi de montrer vraiment un paysage, j'allais dire, assez vaste, assez global dans les pays francophones de la situation. Donc non, je crois de plus en plus à la spécialisation. Je ne dis pas que c'est une vérité, hein, ça reste mon impression, mais je pense que. Alors attention, être spécialisé, ça n'empêche pas de maîtriser des techniques autres. J'entends par là que je reviens sur la formation. Dans notre métier, la formation, elle est particulièrement nécessaire parce que. Parce qu'il faut se former sur des logiciels et que d'ailleurs ça peut faire la différence. Maîtriser un logiciel que l'autre ne maîtrise pas, avoir fait une formation que l'autre n'a pas fait, montrer un intérêt particulier dans notre métier, dans une spécialité de notre métier, ça peut faire la différence. Mais sur le côté polyvalence, vraiment un peu généraliste, moi, c'est plus des profils que je conseillerais. Vraiment, je trouve que c'est bien, comme je disais, d'être identifiable, d'être par exemple, pas d'être dans une case, mais d'être reconnu, connu pour ce que vous faites. Je pense que ça peut être vraiment un moyen, à mon sens, d'être recruté. Ça fait, Sophie, plus d'une année que vous postez sur le réseau, le site du réseau international des journalistes, des annonces pour les journalistes. Mais quels sont les secteurs qui reviennent fréquemment? Dans les offres d'emploi, vous voulez dire? Oui, dans les offres d'emploi, pour les concours, les deux. Oui.
Alors, je pense tout de suite à une spécialité que je n'ai pas évoquée, mais qui revient souvent dans nos opportunités, à la fois dans les emplois et dans les prix ou dans les bourses, c'est le journalisme environnemental. Ça, j'en ai pas parlé, mais vraiment, c'est une spécialité qui revient souvent. Et pareil, qui a pris de l'ampleur, qui a pris de l'importance de par la demande, pareil, hein, du public. Donc ça, on a eu beaucoup d'offres, notamment là, on en a une récente, un appel à proposition, à pige, hein, en fait, pour Mongabay, qui est une ONG qui travaille autour des questions environnementales. Et voilà, j'ai un autre exemple aussi du Pulitzer Center. Enfin, vraiment, le côté journalisme environnemental peut être aussi une vraie bonne idée de spécialisation. Et puis, alors sinon, non, je pense à d'autres choses. Là, on a eu récemment une offre pour un média associatif à Nantes, qui recrutait d'ailleurs en CDI, il me semble. On a la presse locale, hein, qui revient, peu importe dans quel pays francophone, mais moi, je trouve qu'elle revient souvent à la fois dans les prix, à la fois dans les bourses, à la fois dans les offres d'emploi. Sinon, quel profil? Oui, il y a autre chose. On recherche quand même beaucoup de profils Est-ce qu'on multilingues. recherche aussi de plus en plus des profils, des journalistes qui sont spécialisés en santé? Ah, la santé, bien sûr. J'englobais dans le scientifique. Ok. Effectivement, j'aurais dû Ok. spécifier plus journalisme santé. C'est pareil parce que journalisme santé, non seulement avec le coronavirus, y a beaucoup de demandes, notamment de pige, mais aussi ça peut être une ouverture pour les journalistes dans la presse spécialisée. La presse spécialisée, notamment niveau santé, recrute régulièrement, mais pour ça, c'est des journalistes formés. Ce sont des journalistes qui ont donc une capacité et une légitimité aussi. Mais le journalisme santé, bien évidemment qu'il a pris beaucoup beaucoup d'importance. Ouais. Et lorsqu'on n'est pas formé d'avance à ces spécialités que vous évoquez, est-ce qu'il faut retourner à une école de journalisme ou est-ce qu'il existe des cursus en ligne, des écoles qui offrent des formations ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier de passer un concours et se faire former ensuite? Non, Qu'est-ce que non. vous conseillez, Sophie? Alors moi déjà, je conseille, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, de rejoindre Iginette en français parce que ça, c'est un petit peu le cœur de notre métier, de ce qu'on a envie de faire à Iginette en français, c'est de proposer, de mettre sur une seule page, sur un seul site, l'ensemble des possibilités de formation, de prix, de bourse, ce qui parfois d'ailleurs peuvent être un peu mélangés, parfois une bourse peut permettre de se former aussi. Et d'emploi. Et en fait, c'est un portail qui rassemble toutes ces offres. Donc déjà, je dirais que si les consoeurs et les confrères qui nous écoutent ont envie de pouvoir être à l'écoute des formations qui se font, rejoignez-nous. Parce que vraiment, c'est actualisé toutes les semaines. Et on essaye vraiment d'avoir parfois parfois même des prix qui sont mondiaux. Donc, il y a vraiment des vraies possibilités. Et non, moi, je ne crois pas qu'il faille absolument retourner à l'école de journalisme. D'ailleurs, comme je ne crois pas qu'il faille absolument faire une école de journalisme pour être journaliste. Mais par contre, voilà, se former comme ça. Il y a des réseaux spécialisés dans certaines questions. Je pense par exemple au réseau GIJN. Qui est un réseau spécialisé dans l'investigation, dans les techniques d'investigation. Donc ça, si les confrères et les consoeurs ont envie de se spécialiser dans l'investigation, je leur conseille de se rapprocher de ce vraiment beau réseau, qui a d'ailleurs deux pages francophones. Je pense aussi au Solution Journalism Network, qui est l'entité spécialisé dans le journalisme de solution, qui a en fait sur son site internet une page, un onglet où on peut avoir des formations gratuites, de ce que je me souviens, avec des vidéos pour se former sur par exemple une technique
les techniques d'interview, par exemple, comment on interview dans l'idée de faire un article de solution. Et il y a des techniques. Donc ça, c'est tout des formations qui sont accessibles, mais qui ne sont pas forcément parfois visibles ou connues. D'abord parce que quand on est journaliste, on est souvent bien occupé. On doit travailler, parfois rechercher du travail, rechercher des piges, s'occuper de sa vie personnelle aussi. Donc, parfois, on n'a pas le temps. Et donc, d'où l'intérêt de nous rejoindre, c'est d'être alerté. Parce que pareil, souvent, les dates limites, les dates d'inscription, elles sont forcément restreintes. Donc il ne faut pas louper le coche. Et d'ailleurs, si je puis me permettre un autre petit conseil sur cette idée de date, c'est de postuler sur des offres le plus vite possible. En fait, quand un recruteur met, je ne sais pas moi, recrutement jusqu'au 14 juillet, par exemple, dans les faits, il ne va souvent pas attendre le 14 ou le 15 juillet pour regarder ses offres. Il va souvent regarder au fil de l'eau. Et donc, s'il trouve quelqu'un qui correspond au début de l'ouverture de l'offre, pas sûr qu'ils poursuivent et même qu'ils regardent le reste des offres. Donc ça, c'est quand même un conseil qui est quand même important, c'est de dès que vous êtes au courant d'une offre, de tout de suite vous positionner, tout de suite, parce qu'encore une fois, il y aura tellement de monde, il va tellement recevoir d'offres que faut se mettre sur le poste tout de suite. Sur IGNet, il y a une annonce qui a été postée le 14 juin, une annonce dans laquelle il est dit qu'un nouveau média recherche des contributeurs désireux de raconter des histoires centrées sur l'humanité et sur les communautés. Et dans votre allocution, vous avez également parlé de la presse régionale et locale. Du coup, je me demande, est-ce que Sophie... les journalistes qui couvrent les thématiques de la communauté sont aussi maintenant de plus en plus recherchés. Oui, vous avez raison, Kossi, c'est vrai que c'est... Tu as raison. Ça fait partie des choses qui reviennent régulièrement. Oui, tout à fait, je pense que c'est une piste. En fait, moi, j'ai cité des exemples de spécialités, mais je dirais peut-être le plus important, au-delà d'une spécialité ou au-delà de... C'est plus de se constituer une personnalité en tant que journaliste. De se dire, tiens, il ou elle, il est connu pour ça. Il est connu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il est identifiable pour être doué dans ça. Et je dirais même, au-delà de ça, de choisir forcément quelque chose dans lequel vous croyez, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de choisir quelque chose qui recrute. Parce que j'allais dire, si on avait voulu choisir un secteur qui recrutait en masse, tous, je ne pense pas qu'on aurait choisi journaliste. Parce que clairement ce n'est sans doute pas le métier qui recrute le plus. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, voilà, il y a des vraies possibilités et elles sont là. Il faut savoir les saisir. Et je dirais même, au-delà d'un poste en soi ou d'une formation, Moi, je conseillerais aussi aux journalistes qui sont là d'utiliser le temps d'une recherche d'emploi. On a tous été en recherche d'emploi un jour. Et bien, de l'utiliser, je l'ai dit, pour pouvoir se former, mais aussi pour participer à des prix ou des bourses de journalisme. Parce qu'il y en a, mais pléthore. Nous, toutes les semaines, on en publie. Et je sais que c'est difficile quand on travaille, par exemple, à temps plein dans une rédaction, qu'on boucle, par exemple, un journal à 11h du soir. C'est difficile après de se mettre, par exemple, sur un papier dédié à un concours. Et pourtant, pareil, ben, peut-être saisissez une période un petit peu plus, on va dire, difficile d'un point de vue emploi pour vous focaliser sur ces prix et ces bourses parce que, pareil, elles peuvent faire la différence. Quand on est identifié comme ça, comme quelqu'un qui a reçu un prix, eh bien, pareil, ça apporte de la valeur à votre travail et déjà même sans aller jusqu'à votre travail, mais à votre candidature. Je pense à un journaliste qui m'a écrit récemment
qui a reçu le prix Philippe Chaffanjon, qui est un prix qui récompense, comme vous le savez, un journaliste haïtien ou une journaliste haïtienne et un journaliste français. Eh bien, c'est vrai que sa candidature, pour nous, chez nous, c'est des piges, elle a forcément retenu mon attention. C'est un exemple. Parce que ça prouve forcément une qualité de travail. Et c'est vrai que quand on cherche des piges, des pigistes, ce qui nous est notre cas chez Ginette, puisqu'on publie un papier francophone en français par semaine, on recherche forcément quelqu'un qui va travailler avec sérieux, qui va travailler sans faute d'orthographe, qui ne va pas mettre de fausses informations, bien évidemment. Et donc, tout ça, on sait qu'en principe, on n'aura pas ces problèmes avec quelqu'un qui a reçu une distinction. Donc ça, voilà, ça peut être vraiment un vrai conseil de se positionner sur des concours. Parce que même si vous ne le gagnez pas, ça peut vous apprendre, vous pouvez même recevoir des conseils. Et du coup, ça peut être vraiment un vrai moyen de faire la différence. Un mot qui revient de plus en plus fréquent durant ce webinaire, c'est le mot spécialité. Et ma question, c'est de savoir si, c'est une question assez personnelle, est-ce qu'un journaliste spécialisé est mieux parti pour trouver un emploi comparé à un journaliste généraliste? Comme je l'ai dit, c'est une question assez... C'est une question difficile. Moi, mon humble avis, c'est que oui. Oui, je pense qu'il aura plus de possibilités, même s'il répondra sans doute à moins d'offres. Je pense que oui. Et d'ailleurs, pareil, je me permets d'enchaîner sur la notion d'offres. Je pense que ça peut être pertinent de vraiment beaucoup sélectionner les offres auxquelles vous répondez. Parce que pas sûr que ça fonctionne d'envoyer en masse à plein de médias, à plein de rédactrices en chef ou rédacteurs en chef, votre profil, votre candidature, sans qu'elle soit pour une raison, quoi. Ils en reçoivent tellement que, j'ai envie de dire, il faut qu'elle soit pertinente. Donc oui, moi, je maintiens ma version sur la spécialité. Je pense qu'elle est, elle peut vraiment apporter quelque chose. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'être formé sur le reste et d'être capable de faire le reste. Comme nous l'avons dit, c'est un webinaire assez court, un format court, une trentaine de minutes. Sophie, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant la fin de ce webinaire? Non, j'aurais juste peut-être quelques petites informations hyper pratiques, concrètes à donner aux consoeurs et aux confrères qui nous écoutent. C'est par exemple, c'est sur les candidatures. J'allais dire, je conseillais quand même d'aller vite, d'aller droit au but, de ne pas faire des longs emails. Parce que souvent, les recruteurs, ils n'ont pas le temps. Et il y a une autre chose que je trouve importante, c'est d'insister sur ce qu'on appelle les soft skills, qui ont pris de l'importance. Moi, je dis souvent, 2020-2021, c'est les années de la bienveillance. Et ben, je pense que des qualités comme ça, la patience, c'est des qualités qui ont pris vraiment pareil en importance dans le recrutement. Je pense que ça peut être intéressant d'insister sur vos qualités comme ça, pas uniquement professionnelles pures, même si ça fait partie du professionnel. Et puis, dernier mot sur la persévérance. Voilà, moi, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à être persévérants. Et s'ils sont journalistes, ils le sont, parce que la persévérance, en général, il en faut dans notre métier. Mais vraiment, de ne pas lâcher et de toujours retenter. Je sais que parfois, on postule à des offres qui, sur le papier, correspondent en tout point à notre profil et qu'on n'est pas retenu. Parfois, on n'est même pas appelé pour un entretien. Et de là, l'estime de soi, peut-être même le moral, la santé mentale peuvent être impactées. Eh bien, moi, j'encourage, pareil, à rejoindre le forum pour pouvoir aussi s'entraider. Dans une carrière de journaliste, il y a des hauts, il y a des bas.
Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un bas qu'on ne remontera pas. Et voilà, et de surtout, surtout ne rien lâcher. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle séance de partage, de conseils aux confrères francophones. Toutes nos excuses, il y a eu un décalage horaire. Le webinaire était prévu pour commencer normalement à midi, il est 8 heures dans les pays francophones. Et nous diffuserons la vidéo. La vidéo sera, elle est enregistrée et elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du Réseau international des journalistes. Et nous l'enverrons à ceux qui n'ont pas pu participer pour qu'ils en bénéficient aussi. Merci encore une fois, Sophie. Et pour moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Nous parlerons de pourquoi est-ce qu'il faut craindre en Afrique une troisième vague de COVID-19. L'OMS, selon l'OMS, le nombre de contaminations ont augmenté durant les dernières semaines. Mais est-ce que dans les semaines à venir, la situation sera pire? Nous en parlerons avec des scientifiques. Et merci. Merci encore, Sophie. Merci, Cosi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.